Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale. Kandabra kabayandebouche. Yekandabra kabaya. Là où tu es, tu peux continuer l'intercession. Tu peux continuer à supplier ton Dieu. Tu peux continuer à crier à lui. Tu peux continuer afin que les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sang. Kandabra kabayandebouche. Kobra kabababababouche. Yekandabra kabayandebouche. Kandabababababouche. Kode bouche. Kandabra kabababababababouche. Kandabouche. Kandabababababouche. Kandabra kabayandebouche. Yekandabra kabayandebouche. Kandabra kabababouche. Kandabra kabayandebouche. Kandabababababouche. Kandabra kabababababouche. Yekandabra kabayandebouche. Kainda braka bayande bo shende baba baya. Kainda braka baba baba bo shanda braka bayande bo sh. Yekanda bo shanda baba bayande. Kainda braka bayande bo shende baba baya. Onde bo shende baba 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 bo sh. Kainda bo shende baba baba baba. Yekanda braka bayande bo shanda. Koi kanda braka baya, ye kanda braka baya nde bo shanda braka baya. Koi konde bo shende braka baya nde bo shende ba. Ko bra ba 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 bo shanda bra. Koi kanda braka baya nde bo shanda bra. Koi kanda braka ba 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 bo shende. Kanda braka baya. Kanda bra shanda braka ba 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 bo sh. Kanda bo shanda braka ba 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 bo shende. Konde braka bayande bo shanda ba 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 ba. Kanda braka bayande bo shende ba 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 bo shende. Yende ba bo baya. Kanda braka ba 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 bo shanda. Ah, ce matin, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là. Ah, nous nous tenons dans ta présence. Toi qui nous as convoqué encore ce matin, tu nous appelles pour un but, tu nous convoques pour un but. Ce n'est pas en vain, tu nous as convoqués. Ce n'est pas en vain, tu nous permets d'être là. Kandabra, chandabra, kabababouche. Yekandabro, chandabra, kabayandibouche. Ce n'est pas en vain, tu nous as suscités. Ce n'est pas en vain, tu nous as permis d'être là, dans ta présence. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de toi. Oh Seigneur, oh ce matin nous sommes dépendants de toi. Oh nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants. De toi, c'est Seigneur. Yanda braka bayande bouche, ne baba baba bouche. Kanda braka bayande bouche, ye kanda braka bayande bouche, ye kanda braka bayande bouche, ko braka bayande bouche. Kanda braka baba baba bouche, ne baba baba bouche. Kanda braka bayande. Merci, tendre Père. Toi qui nous fais toujours triompher en Jésus le Christ. Toi qui nous permets d'être. Au Kabra Kabaya, en toi, Christ, plus que vainqueur. Kabra Kabaya de Voshaya, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te bénir? Toi qui nous permets de toujours triompher en Christ Jésus. Kandabra Kabaya de Voshaya, Kandabra Kababa Voshaya, Kandabra Kabaya de Voshaya, Kabra Kabaya. Kanda braka bayande bo shanda baba baba bo, kainda braka bayande bo shende, yende baba shanda baba baba bo shanda. Kanda braka bayande bo shende. Merci, tendre Père. Kanda braka bayande bo shende, kanda braka baya. Merci, tendre Père. Pour ce moment béni, merci, tendre Père. Pour ce moment. Que nous voulons passer dans ta présence. Nous nous tenons dans ta présence. Nous voulons te laisser toute la place.
Nous voulons te laisser conduire toutes choses. Nous voulons te laisser inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Parce que nous ne savons ce qu'il faut, ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est pour cela que nous disons, nous sommes dépendants de toi. À ce matin, oh nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de toi. Dandabra Kabayan Deboche, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être totalement dépendant de toi. Accorde-nous la grâce d'être totalement dépendant de toi. La totale dépendance, que ça soit notre partage. La totale dépendance. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons pas ouvrir la bouche et parler si ce n'est toi qui l'es inspiré. Si ce n'est pas toi qui inspire les pensées de nos cœurs, si ce n'est toi qui inspire les paroles de nos bouches, aïe à la bouche, nous refusons de parler sans toi. Nous refusons de prier sans toi. Nous refusons, parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous sommes là, nous nous tenons dans ta présence pour te dire nous sommes dépendants de toi. Oh Kabra Kabayan Deboche Debaya, mon frère, viens dans ta présence. Ayanda Braka, ma sœur, se tient devant toi. À toi qui sondes les cœurs et les reins. Dandabra Kabayan Deboche, toi qui connais d'abord les soupirs de mon frère, les soupirs de ma sœur. Dandabra Kabaya, accorde-nous la grâce de prier selon ta volonté parfaite. D'intercéder selon ta volonté parfaite. De supplier selon ta volonté parfaite. Parce que nous ne voulons pas faire autre chose. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit des dieux que les hommes ont parlé de ta part. Kandabra kabayan debosha. Ye kandabra kabayan debosha. Ye kandabra kababash. Kobra kabaya. Oko bosh. Ye kandabra kabababosh. Kaikata braka bayan debosh. Ye kandabra kabayan debosh. Shede babababosh. Shede. Oh Christ. Ye kandabra kabayan debosh. Ye kandabra kabayan debosh. Ye kandabra kabayan debosh. Ye kandabra kabayan debosh. Akabra kabayan debosh. Yen debosh et debraka. Oh Christ. Ah, sois réel ce matin. Sois réel. Sois réel dans nos vies. Sois réel. Sois palpable dans nos vies. Sois tangible. Sois tangible dans nos vies. Oh Christ. Kandabra kabayan debosh et debaba. Kandabra kabayan debosh. Sois réel dans nos vies. Oh Christ, sois tangible dans nos vies. Oh Christ, nous te supplions. Oh Christ, sois réel. Oh Christ, sois réel. Oh Christ, sois réel dans nos vies. Ce matin, nous te supplions. Oh Christ, sois réel. Oh Christ, sois réel. Oh Christ, sois réel dans nos vies. Kandabra kabaya, yendeboche debaka. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi dans nos vies. Kandeboche de ce matin. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi dans nos vies. Kandeboche de babayande bosh. Kandabra kabayande. Yendabra kabayande bosh. Kandabra kabayande bosh. Yendabra kabayande bosh.
Yekanda braka bayan di bouche di baba. Yekanda braka bayan di bouche di baba. Ô Christ, manifeste-toi. Nous avons besoin de te voir. Nous voulons voir les projets de peine ou de malheur de notre Dieu se révéler, se manifester. Parce que nous avons pleinement reçu en Christ Jésus. Nous avons pleinement reçu. Alors nous voulons que les fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins. Nous avons pleinement reçu en toi. Accorde-nous la grâce d'accéder à la révélation de Christ afin de pouvoir manifester Christ. Seigneur, nous te supplions ce matin. Accorde-nous la grâce d'accéder à la révélation de Christ afin de parvenir à la manifestation de Christ. Donnez-nous à creuser profondément. Donnez-nous à creuser profondément. Oh, jusqu'à atteindre Christ, le rocher. Le rocher de notre salut, c'est toi. Donnez-nous à creuser profondément. Donnez-nous à creuser dans les profondeurs de ta révélation. Donnez-nous à creuser jusqu'à atteindre Christ, le rocher de notre salut. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi dans nos vies. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois réel dans nos vies. Je t'en supplie. Dans cette église, nous voulons te voir. Impact centre chrétien. Massi Palaiso qu'on débauche, nous voulons te voir. À Viry Châtillon, nous voulons te voir. À Évry Cocoronne, nous voulons te voir. En Île-de-France, Tandabrakabayan débauche, nous voulons te voir. C'est pour cela que nous te supplions. Manifeste-toi, Tandébauche, Yenébrakabayan débauche. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ. Manifeste-toi, oh Christ, sois réel dans nos vies, dans des beaux champs d'abord, sois palpable, sois tangible, oh Christ, manifeste-toi, oh Christ, manifeste-toi, oh Christ, sois réel dans nos vies, dans des beaux champs, dans la braque, dans des beaux champs. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de soupirer? Ce n'est pas une prière, c'est une supplication. Nous nous arrêtons afin de supplier, afin de voir la manifestation de Christ. Nous voulons parvenir à la manifestation du Christ. C'est pour cela, au Kobosha, donnez-nous accéder à la révélation du Christ afin de parvenir à la manifestation du Christ, afin que tu sois palpable, afin que tu sois réel. Au Kabraka, parce que nous ne voulons plus voir la suprématie du diable dans ce monde. Tu as paru, Christ a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Ayanda Boshanda Braka. Tu as dit, nous sommes des participants de la nature divine. Nous sommes là pour travailler avec toi. Tu as fait de nous des co-héritiers. Tout ce que tu as, nous les avons. Tout ce qui est à toi est à nous. Ta puissance est à nous. Ta sagesse est à nous. Ta gloire est à nous. Ton autorité est à nous. Parce que tu as fait de nous des co-héritiers. Tout ce qui est à toi est à nous.
C'est pour cela nous disons, ô Christ, manifeste-toi. Ô Christ, manifeste-toi. Ô Christ, sois réel dans nos vies. Kanda braka bayandé, kanda bouche, kanda braka, yé kanda braka bayandé bouche, yé kanda braka bayandé bouche. Ye kanta braka ba 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 boche de braka, on de braka bayan de boshanda. Ye kanta boche de boko de boshanda. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Kanta braka bayan de boche de braka, yen de braka bayan de boche. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ah, Kandabra Shaka, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, le Fils et l'image du Dieu invisible. Kandabra Kabayandebosh, le Fils et l'image du Dieu invisible. Kanda braka bayande bouche, chaka braka baya. Ye kanda braka baba baba bouche. Ye kanda braka baya. Haka braka baba baba. O konde bouche. Ye kanda braka bayande bouche. Tu es l'image du Dieu invisible. Kanda bracha. Le Fils est visible. Et tu es l'image du Dieu invisible. Tu fais de nous des fils. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés Fils des dieux. Alors nous sommes à l'image du Dieu invisible. Kanda braka baya debouche. Et kanda braka baba baba bouche. Yen debouche et debouche. Tu nous demandes de te ressembler afin de pouvoir être à l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Kanda braka baya debouche. Au braka baya debouche. Afin de pouvoir refléter ta gloire, Kanda braka sur cette terre. C'est pour cela nous disons, ô Christ, manifeste-toi. Ô Christ, manifeste-toi. Ô Christ, sois réel dans nos vies. Kanda braka bayan de bouche de bab. Ô Christ, manifeste-toi. Ô Christ, manifeste-toi. Yandabo, chandabo, sois visible dans nos vies. Le Fils est à l'image du Dieu vivant. Et l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Tu nous demandes à te ressembler afin d'être l'image du Dieu invisible. Afin de d'être visible, afin que Christ soit visible, afin de pouvoir montrer dans le monde la sagesse infiniment variée de notre Dieu, afin de pouvoir montrer dans le monde la puissance des dieux, l'autorité des dieux, la sagesse des dieux, la gloire des dieux. Ayanda bosh, shanda braka bayande bosh, yende braka bayande bosh, shanda baba baba bosh. Et tu as dit, le Fils est le premier-né de toute la création. Le prototikos, le prototokos, le prototokos, ça veut dire le prototype, le prototype. Kandabrakabayan, le premier-né, il est le premier-né. Cela veut dire, nous aussi, Kandabrakab, nous sommes des fils. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est appelé Fils des dieux. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, alors tu es à l'image du Dieu invisible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es appelé à refléter la gloire des dieux. Comme Jésus le Christ, il a reflété sa gloire sur la terre. Ah, c'est pour cela, il nous appelle à ressembler à Christ afin de refléter sa gloire, afin de démontrer
Kandabrakabaya, qu'il est notre Dieu est réel, que notre Dieu est palpable, que notre Dieu est tangible. Il a dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus le Christ, il est le premier-né. Apôtre Ivan nous a encore donné à ce passage afin de pouvoir nous montrer que nous aussi nous sommes Christ, parce que lui il est le premier-né, mais nous nous sommes de la même race. Nous sommes des technones, des descendants, enfants des dieux. Nous sommes de la même race. Du même pédigré. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu dois prendre conscience que toi aussi tu es Christ. Nous devons prendre conscience que nous sommes Christ. Alors, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à vivre pour son bon plaisir. Comme il a vécu sur la terre, nous aussi nous devons vivre de la même façon. Accorde-nous la grâce de prendre conscience. Est-ce que tu es en train de prendre conscience qu'il débauche Jésus le Christ? Ayanda Bosch, comment tu t'appelles? Emmanuel le Christ. Comment tu t'appelles? Willem le Christ. Comment tu t'appelles? Rodrigue le Christ. Comment tu t'appelles? Vicky le Christ. Comment tu t'appelles? Akandabrakabayan de Bosch. Arnaud le Christ. Yende Brakabaya. Barthélemy le Christ. Comment tu t'appelles? Il est le premier-né. Et nous sommes de la même race. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu fais de nous des hommes et de femmes qui sont de la même race que notre Seigneur. Tu as fait de lui Seigneur et Christ. Tu as fait de Jésus Seigneur et Christ. Et il a intercédé auprès du Père afin de pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Nous avons reçu le sceau. Les arts de l'esprit, l'avant-goût, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'avant-goût. Qui fait de nous des Christ? Qui fait de nous des Christ? Afin de pouvoir manifester sa gloire. C'est pour cela que nous disons, oh, oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois réel dans nos vies. Yendébauche. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois visible dans nos vies. Continue à lever la voix, Yendébauche. Parce que nous devons. Cette parole, Akandabrakabaya, doit être imprégnée dans les tables de nos cœurs. Nous voulons serrer cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui, afin de pouvoir
d'un abrac plein de conscience que nous ne sommes pas petits dans Andabosh. Il a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, tu n'as plus à te lamenter, tu n'as plus à murmurer. Ah, tu n'as plus à dire au prochain d'abrac, je suis seul, aucun brac, je suis par terre. Kandabraka, tu dois bannir. Il y a des expressions que tu dois bannir de ta vie parce que tu es Christ. Dieu te voit, tu es Christ. Kandabraka Bayan, un Christ ne peut pas dominer. Le Christ ne peut pas être dominé. Le Christ, Hakabraka Kabayan, Christ apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres ne peuvent pas résister à Christ. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient la maladie, l'infirmité, le chômage, les difficultés, quelque chose, quelles que soient les difficultés, tu peux en courir sur cette terre. Jamais tu dis que des bras kabaya, que je suis dominé, parce que la domination t'appartient, l'héritage t'appartient, et tu es co-héritier. Tu es co-héritier, nous sommes co-héritiers. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que rien ne peut nous dominer, rien ne peut. Je marche sur la terre, fière allure. Je sais que je suis Christ. Quel que soit ce que je vis dans mon corps, quel que soit ce que je vis dans mon âme, je sais que je sais que je sais que ça ne pourra pas rester parce que je suis Christ. Accorde-nous la grâce d'augmenter la soif. Accorde-nous la grâce d'augmenter la soif de Dieu, la soif du Dieu vivant, la soif du Dieu vivant, afin que les fleuves d'eau vive jaillissent. Puisse toucher l'âme, puisse toucher le corps. C'est un processus. C'est un processus. Tu dois prendre conscience dès que tu es sur la terre que c'est un processus. Tu continues à soupirer ton Dieu. Tu continues à chercher ton Dieu. Tu continues à crier à lui. Tu continues à être assoiffé, à être zélé, afin que le fleuve d'eau vive puisse atteindre ton âme, arroser ton âme et arroser ton corps. Kandabrakabaya des bouches et d'abreuver des multitudes. Ça commence par toi. Ça commence par ton âme. Ça commence par ton corps, par ta chair. Kandabrakabaya. Que tu dois crucifier ta chair. Tu dois décider à crucifier ta chair. Tu dois décider à renouveler ton intelligence. Tu dois décider à revêtir l'homme nouveau, Christ. Tu dois décider à porter les vêtements de gloire, afin de rayonner, afin de resplendir. Il a dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors, dans Colossiens 1, verset 16, c'est marqué, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Kandabrakabaya. Yendebrakabaya. Apôtre Ivan a dit, Yekadabash. Ah, ne demande pas d'autographe. Ne demande pas d'autographe. Ah, même au président de la République. Ne sois pas impressionné par un artiste quelconque. Ne sois pas impressionné par un champion du monde. Ne sois pas impressionné. Kandabrakabaya Deboche. Parce que tout a été créé. Kandabrakabaya. Les visibles et les invisibles. Kandabrakabaya. En lui, tout a été créé. Tout ce que tu convoites,
a été créé en Christ. Trône, dignité, autorité, domination, tout. Kandabrakabayandebosh. Yekandabosh. Puisque tu es Christ, tu es co-héritier. Kandabra. Tu ne peux pas être impressionné par les dominations de ce monde, par les autorités de ce monde, par les trônes de ce monde, par les dignités. Les dignités. Kandabrakabayandebosh. Kandabra. Tu ne peux pas. Les têtes couronnées, ne sois pas impressionné. Kandabrakabaya. Parce que tu es Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Kandabrakabaya. Yendebosh. Kandabrak. Ah, Yendabrak. Ah, je vois des hommes et des femmes. Oh, qui ne sont plus impressionnés. Le complexe est par terre. Complexe d'infériorité. Complexe. Oh, Kobosha. Yekandabrakabaya. Est par terre. Complexe de supériorité est par terre. Parce que tu comprends que tout vient de lui. Tout est fait par lui. Et tout est pour lui. Tu n'es rien. Ah, c'est Christ qui est toute chose. Kendebrakabayandebosha. Complexe d'infériorité est par terre. Parce que tu vois, tu dis, les dominations, les autorités de ce monde, Kandabraka, ne peuvent pas t'impressionner. Kandabra, quels que soient les richissimes de ce monde, quel que soit, Kandabraka ne peut pas t'impressionner jamais parce que tu es Christ. Accorde-nous la grâce d'imprégner cette parole, de serrer cette parole dans les tables de nos cœurs, à Kandabrakaya, afin de marcher sur la terre. Fière allure, Kandabrakabosh, nous sommes sur la terre, la tête au ciel. Mais nous sommes sur la terre. Cela veut dire qu'on débrocha. Nous marchons sur la terre. Le ciel ouvert. Kandabrakabaya débrocha. Yé kandabrakabaya. Yé kandabrocha débraka. Yé débrakababababababosha. Yé kandabrakabaya débrocha. Un ambassadeur ne se préoccupe pas de sa vie, de sa situation, quel que soit l'endroit où il se trouve. Même dans un pays pauvre, l'ambassadeur d'un pays riche, même s'il se trouve dans un pays pauvre, mais il ne connaîtra pas la crise. Il ne connaîtra pas la crise. Kandabrakabayandebosha, un ambassadeur ne connaît pas la crise. Même s'il se trouve dans un pays pauvre, si son pays est riche, Kandabrakabayandebosha, et le royaume des cieux, Adabrakabayandebosha, l'or et l'argent lui appartient. Au Kobosh, tout est à lui. Tout a été créé en lui. Alors, nous avons pleinement reçu. Nous avons pleinement reçu. Alors, qu'est-ce que tu cherches encore? Pourquoi tu es frustré? Pourquoi, Kandabrakabayandebosha? Pourquoi tu es impressionné? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu convoites? Pourquoi la convoitise? Ah, Kandabrakabaya, non, je ne convoiterai pas. Kandabrakabayandebosha, la convoitise de la chair, la convoitise, oh, des yeux, l'orgueil de la vie. Kandabrakabaya, les choses qui se trouvent dans le monde, oh, Kabraka, ah, ne peuvent pas être mon partage, parce que j'ai plus, j'ai pleinement reçu en Christ. Kandabrakabayandebosha, je suis co-héritier de Christ. Et je suis héritier du monde parce que la bénédiction d'Abraham m'appartient. Kandabrakabayandebosha. Yekandabrakabababosh. Yekandaboshendeba. Ah, est-ce que tu peux rendre grâce? Élève la voix en grâce. Yendebosh. Si tu comprends cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Kobrakabayandeboshaya. Toutes formes de complexes sont bannies. Yendebosha, Yekanda, cette parole nous fait du bien. Cette parole, merci parce que tu as inspiré ton serviteur. Merci parce que tu as donné cette parole à ton serviteur. À Kandabraka, une parole qui arrive au Kobosha, au temps convenable, afin de faire de nous des hommes et des femmes. Kandabraka, Bayandebosha, qui ne sont pas impressionnés. Kandabraka, Yandabosha, parce que tu as dit.
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, cela veut dire pour moi. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Kandabo Shandabraka. La domination, les dominations. Kobraka Bayandebo Shaya. Sur la terre. Au Kobosh, dans les cieux et comme sur la terre. C'est pour lui et c'est pour moi. À chaque fois je vois pour lui, cela veut dire pour moi. Kandab, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Kandabash, c'est pour cela que je continuerai à te dire, oh Christ, sois réel dans nos vies. Kandeboshé, de babab, manifeste-toi, oh Christ, manifeste-toi, oh Christ, manifeste-toi, Kandabash, la nouvelle. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois visible dans nos vies. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois visible dans nos vies. Ah, ce matin, c'est notre supplication. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, manifeste-toi. Oh Christ, sois visible dans nos vies. Kandabra kabayan débouché de bababa. Kandababouché. Il a dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Quelle grâce de savoir. Merci parce que à travers cette parole, tu fais de nous des hommes et des femmes qui contrôlent la température qui arrive dans le pays. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yandabra chandabra kababa moshe. Yandabra kabayande. Yandabosh. Merci pour cette révélation. Obra kabayande bosh. Je suis un maire spirituel. Ah, kandabosh. Il y a des maires physiques, il y a des maires spirituelles. Tu es maire dans ta ville. Kandabrachaka, tu contrôles la température qui arrive dans la ville. Indeboshaya, tu es sentinelle dans ta famille. Veilleur, Kandabrakabay, c'est que tout subsiste en lui. Ah, Yandab, ta famille subsiste en toi. Kandabrakabay, parce que tu es co-héritier. Tu es co-héritier, puisque tu es en Christ, ce qui est à lui. Et à toi, tout subsiste en toi. Ta famille subsiste en toi. Ah, ton pays subsiste en toi. Ton entreprise subsiste en toi. C'est toi qui contrôles la température qui arrive dans le pays, dans l'entreprise, dans la famille, dans la société. C'est toi la clé. C'est toi la clé. C'est nous la clé. C'est Christ la clé. Et nous sommes Christ. Alors, nous sommes la clé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Kandabrakabaya. Yendeboshede. Kandabrakababababosh. Rien ne pourra t'intimider. Ah, Shakabrakaba. Yendeboshede brakaba. Yendebosh. N'était-ce pas dit que vous êtes des dieux? Les enfants des chiens sont des chiens. Les enfants des chats sont des chats. Les enfants des lions sont des lions. Les enfants des dieux sont des dieux. Kandabrakabayandebush, nous sommes de la même nature.
Nous sommes de la même race, Kandabrakabayan des bouches, descendants d'élus, descendants. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête. Apôtre Ivan a dit, si on appelle la tête Ivan, ça veut dire que son corps, on l'appelle aussi Ivan. C'est pour cela qu'elle a dit, si le Christ et la tête, son corps aussi et Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il fait de nous la tête, pas la queue. Il fait de nous la tête et non la queue. La bénédiction d'Abraham, tu seras toujours la tête, tu ne seras pas la queue. Dans l'entreprise là où tu es la tête. Dans ta famille, tu es la tête. Ah, dans la société, tu es la tête. Ah, partout, nous sommes la tête. Il a fait de nous la tête et non la queue. Andabrakabayan débauche. Il a dit, nous sommes bénis dans la ville comme dans la campagne. Ça veut dire que partout où nous sommes bénis parce que dans Éphésiens 1:3, c'est marqué. Nous sommes bénis de toute bénédiction céleste. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tout est clair. Tout devient encore plus clair. Il a fait de nous des Christ pour dominer. Il a dit pour réunir ce qui est dans le ciel et sur la terre. Pour réunir ce qui est dans le ciel et sur la terre.
Au-dessus de toute domination, il y a une domination spirituelle. Au-dessus de toute autorité physique, il y a une autorité spirituelle. Au-dessus de toute chose qu'on peut voir sur la terre, il y a une portée spirituelle. Le Seigneur nous appelle à contrôler, à prendre conscience de la réalité spirituelle, afin d'opérer comme un aigle et de contrôler ce qui est sur la terre. Parce qu'il a renié les cieux et la terre. En Christ Jésus. Alors, tout doit être fait selon le modèle parfait. Selon les modèles célestes. Dans tout projet, ô bien-aimé, tu dois rechercher quel est le modèle céleste de ce projet. Et tu vas voir, tu vas faire éclater la gloire de notre Dieu. Dans ta famille, tu dois rechercher le modèle céleste. C'est pour cela qu'il a parlé même du mariage. Le choix du conjoint, tu dois rechercher le modèle céleste. C'est pour cela que tu dois rechercher Kandabrakabaya. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Qui Dieu a prévu pour toi? Ah, c'est au-delà du mariage. C'est dans toute association. Même pour bâtir une entreprise, tu dois rechercher le modèle céleste. Kandabraka. Qui doit t'aider à bâtir l'entreprise? Même au sein de l'église, tu dois rechercher le modèle céleste. Avec qui tu vas t'entourer pour bâtir l'église? En Christ, au Kandabraka. Il a réuni les cieux et la terre. Il a dit, Ephésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Kandabrak, merci pour cette parole. Si tu as compris cette parole, tu peux simplement acclamer. Ah, j'acclame pour moi-même, j'acclame Kandabraka pour la révélation reçue, pour la révélation, j'acclame Kandabraka Baya, Yekadaboche Nebraka, Yendeboche Nebraka, Yendeboche. Alors ne cherche pas à faire de choses par toi-même, tu dois rechercher le modèle céleste de la chose. C'est pour cela, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Parce que le Fils est appelé à refléter la gloire de Dieu, à rendre Christ visible. Ah, tu ne peux pas rendre Christ visible si tu choisis le mauvais modèle. Si tu choisis le modèle charnel, le modèle émotionnel, le modèle traditionnel, tu ne pourras pas refléter la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas rendre Christ visible parce que Christ renie les cieux et la terre. Il fait tout selon le modèle céleste. Accorde-nous la grâce de changer notre moyen, notre manière de penser, de renouveler notre intelligence afin de revêtir Christ en toutes choses. Nous devons revêtir Christ. Nous devons porter le vêtement de justice, le vêtement des louanges, le vêtement des fêtes, le vêtement de gloire, le vêtement de Christ, qu'on appelle le vêtement de l'épouse. Le véritable mariage, c'est le Christ avec son épouse.
Kanda braka bayan de bush. Ye kanda braka bayan de bush. Quand tu as cette révélation, Kandebosha, tu rentres dans la dimension de l'épouse. Kandebosha, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, tu vas refléter sa gloire parce que tu porteras les vêtements de l'épouse. Kandebosha, Kandebraka, Yendebosha, Yendebababababosha. Merci Père. Merci pour cette parole. Merci Kandebraka, Bayandebosha. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Parce que tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Ah, c'est pour cela que tu dois t'attacher à lui. Ah, tu dois t'attacher à lui comme jamais. Ah, l'épouse marche dans l'amour de son Christ. De l'époux. Oh, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur. De tout mon cœur, Kandabracho, Yendebosha, je t'aime, ô Christ, de tout mon cœur, Kandabrakabayana, de tout mon cœur. Il a dit dans Éphésiens 4, Kandabrakabayandebosha, voici donc ce que je dis, ce que je déclare, verset 17, dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous attacher à toi. Accorde-nous la grâce de renoncer aux vieil homme, aux choses de la terre, aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie, d'avoir l'intelligence renouvelée dans notre âme, afin de revêtir Christ, afin de vivre pour toi, afin de vivre pour l'époux, ô Christ. Kandabra kabayandebo shakabra, yekandabra kabababababush. Ah, c'est pour cela nous te disons, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, oh, je t'aime, oh Christ, Kandebosha, de tout mon cœur, Yanda bon époux, de tout mon cœur, Kandabraka, Ayanda Boshanda Bajo. Oh Christ, Kandabrakabah,
de tout mon cœur. Ayandabosh de tout mon cœur. Ah, c'est le chant de l'épouse, Yandabosh, qui chante pour son époux. Et Kandabratabayandabosh, et Kandabrachayandabosh. Quand tu te maries, tu prends le nom de ton époux. Quand tu te maries, tu prends le nom de ton époux. Yandabrakabayandabosh, Ayandabrakabaya. L'époux s'appelle Christ. L'épouse s'appelle Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yanda boshende braka, yanda braka baba baba boshende oh de tout mon cœur. Ah, c'est le chant de l'épouse. Yanda braka baba baba boshende oh, je t'aime, je t'aime, oh Christ. Yanda braka de tout mon cœur. Oh Christ, de tout mon cœur. Oh Christ, je t'aime, je t'aime. Oh Christ, Kandabra Kabaya, de tout mon cœur. Kandabra Shende Baye, tout mon cœur. Kandababo Shende, oh Christ. Kandabra Kabaya, de Boshende Baba Kabaya. Ah, est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce? Ah, pour ce moment béni, pour cette grâce de pouvoir entendre ces choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, ô Christ. Merci pour les paroles que tu as libérées encore ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'entendre ces paroles dans cette saison. Oh, tu nous appelles à vivre pour le bon plaisir de notre roi, de notre époux qui s'appelle Christ, afin de pouvoir refléter sa gloire, afin de pouvoir montrer la sagesse infiniment variée des dieux au monde, la puissance de Christ, l'autorité de Christ, l'amour de Christ. Oh Kabra Kabaya, ah, c'est ce que nous allons montrer, c'est ce que nous allons démontrer dans cette saison. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce temps. Merci pour cette grâce. Merci pour ce moment béni. Merci parce que tu nous as rassemblés afin de nous tenir dans ta présence. Kandabra, tu nous as permis, tu nous as secourus afin de libérer ce que tu avais prévu. Le plan de l'ennemi a échoué lamentablement. Lui qui ne voulait pas que tu puisses parler, mais il a échoué. Comme il a échoué pour Jésus, il a échoué lamentablement pour nous parce que nous sommes Christ. Christ a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Alors le plan de l'ennemi a échoué. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous as secourus. Tu nous as permis de nous tenir dans ta présence et de libérer ce que tu as prévu. Comment ne pas être reconnaissant? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant envers notre Père, envers notre Dieu, envers notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a permis de recevoir par le Saint-Esprit ces révélations, ces mystères cachés de tout temps? Christ en nous, l'espérance de la gloire. À toi qui fais toutes choses à merveille, alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être persévérant dans les jeûnes, dans la prière, dans la supplication, afin de continuer à être agréable, à marcher d'une manière digne de toi. Kandabra Kabaya débauche, afin de pouvoir vivre pour ton bon plaisir. Nous te bénissons, Père. Donne-nous à être efficaces et productifs encore aujourd'hui et les jours à venir. Donne-nous à demeurer dans ta présence. Donne-nous à demeurer des transporteurs de ta gloire. Kandabraka, partout où nous sommes, merci pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous et qui nous arrache à tout danger. Merci de nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Merci parce que ta main demeure étendue sur nous.
Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière matinale. Excellente journée de la présence de Dieu. Restons connectés à 12h30 pour la prière de midi. Et soyons nombreux le soir en présentiel afin de continuer les 21 jours. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.